quelqu'un derrière ? Bonsoir Yuyut, bonsoir à toutes et à tous, ça fait très bizarre de vous parler d'ici, au QG, oui c'est comme ça que j'ai renommé cet appartement, directement relié aux enquêtes paranormales que vous allez pouvoir observer dans les prochains mois. Donc rappelez-vous, l'année dernière, cet immense hôtel perdu dans les montagnes, trouvé complètement par hasard lors d'une randonnée. À ce moment-là, j'étais deg car j'avais aucun matos pour enquêter, rien du tout, même pas un petit cadeau à se mettre sous la dent, et j'étais tombé sur tout un tas de bâtiments abandonnés, mystérieux, que je voulais faire à tout prix. Donc bah, j'ai tenté quelque chose quand même avec la seule caméra que j'avais à ce moment-là, mais je me suis dit, on va y retourner l'année prochaine et on va faire quelque chose de costaud, les gars, c'est pas possible de rester comme ça. Donc je m'étais promis et je vous ai promis aussi d'y retourner. Bon bah voilà, chose faite. Et la chose complètement dingue aussi, c'est que je suis retourné pile poil dans le même appartement studio que l'année dernière. C'était pas fait exprès. Y a pas de voisins, les seuls voisins qu'on a pu croiser, bah, c'est les propriétaires du bâtiment entier. Donc on sait pas trop ce qui se trame ici. C'est très bizarre. On a toujours cette sensation quand on revient ici de rentrer dans un autre monde, un petit peu à la Silent Hill, où tu ne vois personne, tout est désert. Les seuls gens que tu croises, c'est des gens un petit peu fous comme ça. Non, non, tout va bien. C'est comme ça que je dis bonjour. Même appartement où il s'est passé des choses un peu bizarres, notamment dans le salon. Ici, c'est vrai que la dernière fois, les fenêtres se sont ouvertes toutes seules la nuit. 2-3 chaises se sont cassées la gueule dans la même nuit. On n'a pas su pourquoi. Ma sœur a fait une crise de somnambulisme comme elle en a jamais fait. Donc nous y voilà maintenant depuis 3 jours. Coralie, ma sœur aussi qui était là l'année dernière, est avec nous. Et moi-même, nous sommes là, prêts à en savoir peut-être un petit peu plus, on verra. La première nuit passée ici a été compliquée, surtout pour moi. Je vous en dis pas plus, pour pas vous spoil, vous verrez bien dans les enquêtes. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a une enquête qui est d'ores et déjà disponible pour les membres de la chaîne. Elle vaut le coup. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans la maison. Dans quelques secondes. Nique ta mère! L'enquête sortira bien évidemment publiquement, comme à chaque fois, vous avez l'habitude. Si vous voulez devenir membre, ça peut vous permettre de gagner du temps, de voir les enquêtes sans la moindre publicité, et tout simplement de soutenir le travail effectué sur cette chaîne, car oui, en ce moment, ça charbonne. Donc du coup, mon objectif pour cette semaine, opérer dans au moins 3 lieux différents. Donc 3 lieux différents, avec 3 histoires différentes et 3 ambiances différentes. Le but, c'est vraiment de ne pas arriver avec les mêmes enquêtes, même si ça se déroule en même temps, enfin pas en même temps, mais sur la même semaine, je vais les enchaîner. Je veux vraiment qu'on ait une histoire différente à raconter pour chaque vidéo. Donc vous imaginez bien qu'avec tout ce travail que je suis en train de fournir, actuellement, je ne peux plus vous proposer 2 vidéos par semaine, c'est plus possible. Évidemment, tout ce qui était les images maudites, des histoires vraies et autres courtes vidéos comme ça, c'était pour vous faire patienter. Donc attendez-vous à partir de maintenant à retomber sur une vidéo par semaine, soit le lundi, soit le jeudi, ça dépendra. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est juste une vidéo courte pour vous expliquer ce que je suis en train de faire actuellement, pour vous avertir un petit peu de ce qui se passe ici, de l'autre côté de la chaîne. Donc ça n'a absolument rien à voir, mais j'en profite pour vous remercier du fond du cœur d'avoir acheté l'album de musique. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, j'ai sorti un petit album récemment. Au centre et autour de mes terres. Ok, demain tu pourras m'appeler papa. Je suis un sale gosse une dernière fois. Laisse ta Winchester en joue. Au moment de lutte, pour éviter de me mettre une balle, je jongle avec mes songes sombres. Je suis un bouffon dans le royaume des ombres. Du rock à la pop, au hip-hop, à la tartiflette, en passant par la dance, enfin il y a un petit peu de tout. Donc sur les 30 exemplaires qui restent, il y a ce ticket d'or, je rappelle. Si vous tombez sur cette montre-là, vous aurez tous mes projets musicaux jusqu'à la fin de ma vie, gratuitement. J'espère que ça va tomber sur quelqu'un qui aime bien ce que je fais. C'était une très courte vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, vous dire où j'en suis. Restez connectés, ça va arriver très 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 vite. Je bosse déjà, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je bosse à fond sur les montages, sur le dérochage, sur les analyses
de mes vidéos, de ce que j'ai pu capturer ici. Vous en saurez vite plus. Merci Youyout pour votre fidélité, à très bientôt, bye bye. Allez mon pote. On est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs, hein, comme on dit. On y va.